on attend pour monter dans le ferry pour aller à sur l'île de Roboche, qui est une île dans laquelle on peut nager avec des requins baleines. Malheureusement, on arrive hors saison, donc ils sont déjà partis vers d'autres contrées. On était un peu déçus parce qu'en fait j'ai un ami mexicain qui m'a dit qu'il faut absolument que tu ailles à Holbox. C'est vraiment un paradis. Qu'est-ce que t'en penses, Johanna, du paradis sur terre? En fait, ce serait mieux de te dire parce que pour l'instant c'est un peu chaud ça. Nous, en arrivant, en prenant le ferry, on voyait l'eau et l'eau était vraiment dégueulasse. Ça ressemblait au Mekong. Et il se trouve que quand on va de l'autre côté de l'île, effectivement c'est paradisiaque. Apparemment, il y a des routes, enfin si on peut appeler ça des routes, seulement sur une toute petite portion de l'île. Donc ça, c'est mon vélo. Tous les vélos ici sont trop petits, on peut pas bouger la selle. Et en plus, les routes sont faites de sable. L'île s'appelle Holbox. Holbox en maya yucatanais, ça signifie lac noir. Voilà, c'est parce qu'à l'intérieur, elle est pleine de mangroves. L'eau dans l'île, dans les terres, est complètement marron foncé noir. J'ai essayé de continuer vers l'ouest de l'île. J'ai dû faire demi-tour. On s'enfonce complètement. Voilà l'état de mes chaussures maintenant. Je me suis retrouvée bloquée par la rivière, la mer. C'est trop profond. La personne de l'hôtel m'avait dit que selon l'heure de la journée et la saison, des fois c'est suffisamment peu profond pour pouvoir le faire. Mais là non. Là, on vient de partir de Holbox et on va à Cancun. Vu que le bus est dans une heure et demie, j'ai décidé de manger quelque chose et Johanna va sûrement manger mes restes parce que je ne sais pas finir un plat. Il y a des piments partout, même sur les shorts. En Colombia, ils ont été une semaine avant que je en Cali. No. Ah, sí, hay que comprar un poquito de agua. De agua. O sea, con los ojos aguados, después de preguntar a la luna, me dio la espalda y tentó. Donc là, vu qu'on a loupé le dernier bus, on a trouvé une maison abandonnée. On va
y passer la nuit jusqu'au matin. C'est beaucoup, beaucoup et mucho. Difficile. Difficile. Beaucoup difficile. Ah non, très difficile. Joanna a pris le dernier bus de Chiquila. Moi, j'ai passé la nuit avec les deux types qu'on a rencontrés hier dans leur van. C'était vraiment sympa comme expérience parce qu'aucun des deux ne parle anglais. C'est là que je me suis rendu compte que l'espagnol me vient vraiment facilement. Si je passais un mois avec eux, en fait, je parlerais couramment l'espagnol. Martin, qui est cuisinier de profession, a fait à manger. C'était vraiment, vraiment très bon. J'ai vraiment très mal dormi. Je voulais essayer d'arriver à Cancun avant que Joanna parte pour l'aéroport. Malheureusement, on est dimanche et le dimanche, il n'y a pas de bus. Je suis de retour à Cancun. Ça y est, je suis seule. Joanna s'est envolée pour la France, pour le froid. Je vais aller à la recherche d'un établissement qui pourrait réparer mon téléphone. J'ai fait du snorkeling avec, en utilisant un outil douteux qui était censé le protéger. L'écran ne fonctionne pas. Pour l'instant, Cancun, c'est la ville que j'ai le moins appréciée. Je dois y rester deux autres journées parce que j'ai un vol vers le Guatemala depuis Cancun. Ça m'emballe pas.